Non. Je sais que c'est dur, mais c'est nécessaire. Ça fait 2 jours! Comment peux-tu rester là, les bras croisés? Il ne mérite pas ça. Je vais le sortir de là. Amicia, un porteur qui atteint le dernier seuil, c'est une situation exceptionnelle. Et très grave aussi. Bien entendu, il va falloir l'isoler dès que possible. L'Ordre possède un endroit spécial. Vous voulez enfermer Hugo? Sais-tu de quoi ton frère est vraiment capable? Ça ne va faire qu'empirer. Mais enfin, c'est un enfant! Ce n'est pas de sa faute! Et plus vous le faites souffrir, plus les races répandent, et plus il sème la mort. C'est pour cela que nous devons l'emmener. Son pouvoir grandira à mesure que sa vie s'approchera de la fin. Magistère, je vous en prie. Qu'est-ce qu'il veut dire? Amicia, Hugo est condamné. Le porteur ne pourra pas survivre au dernier seuil. Non, il y a forcément un moyen. Lucas a réussi à... Ton camarade a seulement gagné du temps quand ton frère a atteint le premier seuil. Mais cette fois, c'est différent. Rien ne peut plus l'arrêter. Aucun élixir, aucune potion. Attendez, il y a une île. Il parle tout le temps d'une île. Elle est peut-être liée à la Macula. On doit... C'est le fruit de son imagination. Et qu'est-ce que le fruit de son imagination fait accroché au mur de votre laboratoire? Hein? Qu'y a-t-il là-bas? Pauvre enfant. Tu refuses de voir la vérité en face. Accepte le destin de ton petit frère et le tien. La Protectrice a pour seul rôle de faire ce que l'Ordre lui commande. Je m'en fiche pas mal de votre Ordre. Je ne vous connais pas et je ne travaille pas pour vous. Laissez-moi le voir. Hugo est épuisé, Amicia. Tu ne peux pas aller le voir dans ton état. Laissez-moi passer. Pas avant de t'être calmé. Tu l'as dit toi-même. La Macula se nourrit de ses émotions. Ah! Quant à nous, nous devons nous rendre au quartier de l'Ordre à Marseille, et ce dès que possible. J'ai un bateau et un passeur, Joseph. Il nous attend au port, il faut le prévenir. Quant à moi, j'ai besoin de repos. Venez me voir quand tout sera prêt. Lucas, s'il te plaît, va au port et trouve ce Joseph. Oui, magistrat. Amicia. Viens avec moi. Soyez prudent, s'il te plaît. Est-ce que ça va? Non! Tu étais au courant pour Hugo? Je voulais t'en parler, mais... Tu aurais dû... On parle de mon frère, Lucas. Je ne pensais pas que le Magistère Vaudin te l'annoncerait comme ça. Seigneur, je peux pas... Oh, continuons. D'accord. Ordonnez le couvre-feu! À tous les habitants, restez chez vous! Une patrouille! Que se passe-t-il? La ville est en état d'urgence! Tout individu présent dans les rues sera arrêté! Ça y est, ils vont boucler la ville tout entière. Souviens-toi du quartier en quarantaine. Ils n'oseraient pas purger la ville entière, si? Je ne sais pas. On a besoin de ce bateau, et vite. L'armée de Provence a parfaitement le contrôle de la situation. Oui. Allez leur dire ce que votre contrôle signifie. Regarde, cette tour de quai au fond, elle mène au port. Préparez-vous à partir. On va amener le chargement jusqu'au quai. Les quais? C'est là qu'on va, c'est ça? Ces cages sur leur chariot. Je crois que ce sont des corps de la reine. Alors c'est là qu'ils les amènent. T'inquiète pas, je t'ai bien compris la première fois. Je m'y prendrai autrement. Tu voulais que je demande au Magistère Vaudin à propos de l'île, la fresque dans ses appartements. Il a dit quoi? Il a dit que ce n'était qu'un symbole. Un symbole au pic jumeau. Exactement comme dans les rêves d'Hugo. Je sais. L'île, le réveil de la Macula, l'Ordre, c'est trop tout ça. Contente de te l'entendre dire. Ça m'aide à ne pas me sentir seule dans tout ça. Tu ne l'es pas. Je suis là. Je suis désolée, Amicia. Pour Hugo. Il n'est pas encore mort. Très bien. N'oublie pas, on épargne les soldats. On reste en vie. D'accord. Pas tuer, ne pas se faire repérer. Allez, trouvons ce bateau. On y est. Alors, où est notre bateau? Voile rouge et blanche. Juste là. Il est toujours là. Bien. Son capitaine aussi, j'espère. En effet. Oh, elle est si belle. Je la prends. Pour Hugo. Une gentiane, je crois. Ça devrait lui plaire. J'aimerais pouvoir lui offrir tellement plus. Il aime tout ce qui vient de toi. Pas sûr qu'il soit de cet avis. Être à la porte. Ils sont là. On avance en silence. Fous-nous la paix. On ne peut pas se permettre de casser ces jarres. La ville n'a plus le temps. La ville a besoin de ces jarres intactes. Alors calmez-vous. Assez déjà cassé, soldats. Allez, allez. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ils aggravent encore les choses, je dirais. On devrait juste partir d'ici. Il paraît que la Guyane n'était plus qu'un vaste cimetière quand c'est arrivé. Oui. Et vous subirez bientôt le même sort, vous aussi. Jusqu'à ce qu'on soit de l'autre côté. Nos vies en dépendent. Faites vos prières et allons-y. Regarde ce mur. Oui, ils l'ont érigé à la va-vite. Et il nous empêche de rejoindre le bateau. Approchons-nous. On dit que cette ville était une porte d'entrée commerciale vers la Méditerranée. Maintenant, c'est plutôt une porte d'entrée pour la morsure. C'est désespérant. Il y a des marchandises abandonnées par là. On dirait de la soie. Lucas, de la vraie soie. Elle doit provenir de Chine. J'en ai jamais vu autant. Il y en a pour une fortune. Quelqu'un a fabriqué ça, à l'autre bout du monde. Tu penses que c'est pareil en Chine? Tu crois qu'ils ont aussi les rats? Peut-être pas. Pas encore. Il faut arrêter ça. Il y a des marchandises abandonnées par là. On dirait de la soie. Lucas, de la vraie soie. Elle doit provenir de Chine. J'en ai jamais vu autant. Il y en a pour une fortune. Quelqu'un a fabriqué ça, à l'autre bout du monde. Tu penses que c'est pareil en Chine? Tu crois qu'ils ont aussi les rats? Peut-être pas. Pas encore. Il faut arrêter ça. C'est dérobé. Qu'y a-t-il derrière, tu penses? On le saura bien assez tôt. Tu crois qu'ils vont y arriver cette fois? Je crois rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que les cadavres affluent de la ville et qu'on en a déjà trop dans nos rangs. J'aurais dû aller voir ma mère tant que je le pouvais. Pris. On n'a plus que ça. C'est bien peu. Ce bruit. C'était rien. Encore ? Je ferais mieux d'y aller. J'ai encore rêvé. J'ai cru entendre un bruit. Y a rien. Par ici. Oui. Je peux pas faire mieux que ça. Oh non, Seigneur, ça ressemble à un champ de bataille. Que s'est-il passé ici? Je ne sais pas, mais suivons ce chariot et ouvrons l'œil. Ah, merde. Oh, c'est pas vrai. Je pense savoir ce qui s'est passé ici. Et il répète les mêmes erreurs. Fais quelque chose, bon sang. C'est coincé. Oh non. Ils arrivent. S'ils ne se calment pas... Je crois que c'est trop tard. Ils sont là. Ne va pas plus loin, Amicia. Oh Seigneur! C'est impossible. Il y en a tellement. Comment on va traverser ça? Ce liquide au sol, c'était dans leur jarre. Ça sent la poire. Si c'est ça, c'est hautement inflammable. Essaie d'y mettre le feu. Oui, oui, essayons. Ah, je ne m'y attendais pas. Et eux non plus. Attention avec ces flammes. Ce brasero, on peut le déplacer. Oui. C'est pas possible. Espérons que ça se passe mieux à Marseille. Jusqu'à ce que les rats l'envahissent aussi. Amicia, l'Ordre possède des quartiers adaptés à Marseille. Des équipements et des gens. Des gens comme Godin? Et tu crois que ça va se finir comment? Si on reste ici, on meurt de toute façon. Loin. Le bateau de Joseph. On se rapproche. Oh, en voilà d'autres. Ce bâtiment sur la gauche paraît plus sûr. Les rats ont détruit le reste du ponton. Espérons qu'on pourra passer. Essayons par là. Quelle pagaille. Oh, cette odeur. De la poix. Ça fait tourner la tête. Je n'entends pas de rats ici. Non. Mais ils étaient là. Regarde ça. Seigneur. C'est quoi tout ça? Une fabrique de poids. Ils doivent l'utiliser pour étancher les cordes des bateaux. Ces mécanismes sont encore intacts. L'odeur est différente ici. De la résine. C'est un bassin de mélange. Le tonneau là-haut, ça doit être le diluant. On devrait avancer. Oh non! Okay. Ils nous poursuivent! Pas de panique! On a de la résine. Avec le diluant là-haut, on pourra faire de la poix. Un bassin de poix. Ça pourrait nous permettre d'atteindre cette porte dans le fond. Mais le tonneau est vraiment haut. On doit trouver un moyen de l'atteindre. Voyons voir. Ces cordes font bouger la plateforme. Les ouvriers doivent utiliser cette échelle derrière la grille pour l'atteindre. Il faut trouver un moyen d'y aller. Bien joué. Voilà qu'on fabrique de la poix. Je sais, mais ça devrait être rapide. Bon, allons-y. Bon, est-ce que je m'occupe de la partie réservoir? Tu en penses quoi? Oui, monte par l'échelle. Je me charge de faire bouger la plateforme. J'y vais. Oui, tourne-la à fond. Je m'en occupe. Bien, tiens bon jusqu'à mon signal. D'accord. Je suis prêt. Je lâche. Accroche-toi. Wow. Laisse-moi jeter un œil au bassin. J'arrive. Le diluant. Je vois. C'est de l'alcool, bien sûr. Tu es prêt? Fabriquons ça de poids. On verse. Tu connais les quantités? Non. J'improvise. S'il te plaît, évite de nous tuer. Bien. Je pense que tu peux l'enflammer. D'accord. Voyons si cette poids est efficace. Ça marche. Oui. Bon, première étape franchie. Oui, mais je suis coincée. Attends. Je crois que tu faisais les expériences avec les ingrédients ici. Oui, ça peut marcher. Je te les envoie. Ces bêtes sont tout près. Ici. Préviens-moi quand tu es prête à attraper. Tu as de la résine et de l'alcool. Mélange-les. C'est fait. Parfait. Maintenant, lance un pot de poids entre ces deux bassins. C'est parti! Pourvu que ça marche. Voyons si cette poids est efficace. Parfait! Oui! Ce dernier bassin est déjà rempli de poids. J'arrive! Oh, tu m'as sauvé la mise. La poix t'a sauvé. Ça fait des miracles. En tout cas, merci. Il n'y a pas de quoi. Voyons ce qu'il contient. Notre bateau devrait être droit devant. Ne sois pas trop optimiste. Écoute, Amicia. Pour Hugo, j'étais coincé entre le magistère Vaudin et ta mère et je n'ai aucune excuse. J'ai eu tort. C'est juste que... j'étais pas prête. Je peux pas le perdre. Je peux pas. On fera ce qu'il faut. Oui. Tant de gens doivent être en train de mourir en ce moment. Mais c'est si calme. Nous n'aurions jamais dû venir. Tu persistes à croire que tu peux tout contrôler. Mais nous ne sommes que des grains de sable face à la Macula. Je ne suis pas un grain de sable, Lucas. Tout ce que j'essaie de te dire, c'est que tu dois arrêter de te sentir coupable. Peut-être. Viens, un bateau nous attend. Allons emmener Hugo loin d'ici. Très bien. Tant de gens doivent être en train de mourir en ce moment. Mais c'est si calme. Nous n'aurions jamais dû venir. Tu persistes à croire que tu peux tout contrôler. Mais nous ne sommes que des grains de sable face à la Macula. Je ne suis pas un grain de sable, Lucas. Tout ce que j'essaie de te dire, c'est que tu dois arrêter de te sentir coupable. Peut-être. Viens, un bateau nous attend. Allons emmener Hugo loin d'ici. Très bien. Par ici. Regarde, au loin, le bateau de Joseph. On se rapproche. Oui, allons-y. Oh, ils sont là. C'est infesté en bas. Attends, regarde. C'est de la résine en bas. Et là, un tonneau de diluant. Ils fabriquaient encore de la poix ici. Utilisons-la pour dégager le chemin jusqu'au bateau. Oui, fabriquons encore de la poix. Quelle journée. Alors, voyons à quoi tu sers, toi. Ça contrôle la passerelle. Il faut amener ce tonneau ici. Hé, vous êtes qui, vous? On fait que passer. Eh bien, impossible. Je suis coincé ici depuis un bail avec Serra. Faut que je sorte d'ici. On a une idée. Avez-vous accès à cette passerelle? Oui, mais je vais avoir besoin de votre aide. Ils ont relevé le pont. Je peux m'en charger. pas à ça. Un instant. Il a l'air raisonnable. Il a peur. Alors ça joue pour nous. Voici ton diluant. Merci. Il n'a pas l'air au courant de notre évasion. Oh, il n'a pas encore fait le rapprochement. Et on recommence. Ils aiment pas le feu, hein? Oh, non. Nos méthodes. Je vois aucune torche ici. Attendez un peu. Bon, c'est déjà ça. Hé, c'est quoi ce truc enflammé que vous avez jeté? C'est... du fait maison. Alchimie basique. De l'alchimie? On n'aime pas trop ça par ici. Dommage, parce que ça va vous sauver la peau. Les soldats... Bien. Il nous reste encore 2 bassins. Occupons-nous-en, alors. Amicia, tu devrais aller sur la passerelle pour t'occuper du diluant. Je m'occupe de la faire bouger avec la manivelle. Parfait. Je te dis quand j'ai besoin de toi. Lucas, à toi de jouer. Bien. Alors, vous allez où, comme ça? On se sauve d'ici. Vous êtes au courant qu'on en fait un peu d'un confinement? Oui, et les gens meurent quand même. Alors on tente notre chance. Je vois. Hé, hey, tu as manqué le bassin. Pas si vite. T'es allé trop loin. Reviens un peu en arrière. Celui-ci d'abord. On reviendra au second bassin plus tard. Bien, tu peux lâcher. D'accord. D'équipe, vous vous débrouillez bien pour décider. Bien, on a souvent dû ne compter que sur nous-mêmes. Voilà, c'est fait. Allume-le, Amicia. Et voilà. Il y a encore un bateau qui bloque le passage. À toi de lever celui-là. Lucas, tu peux avancer! La voie est libre! D'accord! Amicia, je suis bloqué! Non! La lumière n'éclaire pas assez loin! Il y a forcément un moyen! Oui! Jeter de la poix directement dans le feu! Ça va amplifier les flammes pour un temps! C'est... Eh bien, oui! Ça peut marcher! Bien! Tentons le coup! tu y es presque. Je suis arrivé. Parfait. J'y crois pas. Vous y êtes arrivé. Hé, hey, tu peux refaire ton truc? Je suis bloqué ici. Entendu, je vais essayer. De plus près. Restons prudents. On ne sait pas ce qu'il aurait fait si on l'avait croisé en vie. Suivre les ordres. Oui, quel qu'il soit. Wouh! Eh ben, beau travail! On l'a fait! Une chance que vous ayez décidé d'emprunter la loi ce soir! On devrait y aller, non? Oui, on est pressé. Bien, je vais vous escorter jusque chez vous. En fait, nous devons continuer par là. Impossible. Vous devez rentrer chez vous. Vous plaisantez? Laissez-nous partir. On a fait notre part. La loi, c'est la loi. Laissez-nous passer, ou vous allez le regretter. Tu menaces un soldat de l'armée de Provence? Exactement. C'est bien trop important. Attendez. Dans les faubourgs, nos hommes ont été attaqués par une fille et un garçon. C'est vous! Vous vous êtes évanés! Amicia, vous l'aveuglez avec la poix. Je rendrai justice moi-même. On n'a pas le temps pour ça. Cours, vers les escaliers. Viens, le bateau est juste ici. Oui. Seigneur. Plus jamais je ne croirai aucun d'eux. Oui. Bien, mettons-nous au travail. C'est bien mieux. Voyons un peu ce bateau. C'est une affaire de santé publique. Tu aurais dû partir quand tu le pouvais, Joseph. Je dois attendre un client et j'honore toujours mes contrats, mon ami. Estime que ton contrat est annulé alors. Le port est condamné et tu es un intrus. C'est notre homme. Mais les ennuis arrivent, ne restons pas là. D'accord, tu sais quoi? J'ai pas que ça à faire. Non, tu en sais beaucoup trop. Je dois t'arrêter. Oh, sans blague. Oh, tiens! Joseph, attendez! Ne bougez pas! Nous venons de la part de Magistère Vaudin. Nous devons quitter la ville. Vous croyez que je fais quoi, là? Cet endroit est foutu. Pitié! On est coincés ici! Et nous avons un enfant avec nous! D'accord, d'accord. On se retrouve au prochain ponton. Qui êtes-vous? Où est le capitaine? Merde! Des intrus! Venez, vite! Oui, allez! C'est passé près. Oui. Mais... ça fait du ponton. Viens avec moi. Des soldats. À couvert. Ça a réagi au contact de la torche. C'est le moyen le plus rapide. Lucas, ça devient trop dangereux. On va se faire tuer ou manquer ce bateau. Il faut que j'utilise de nouveau ma fronde. Oui, fais ce qu'il faut. On a besoin de ce bateau à tout prix. Bien, allons-y. Je jure que je retrouverai le meurtrier. C'était eux, c'est sûr. Pourquoi fait-il ça? Aucune idée. C'est peut-être un ancien soldat. Nous sommes sortis du port. Que font ces soldats ici? Il veille à ce que personne ne s'échappe. Ce n'est pas du bois qui brûle, c'est des cadavres. Oh, voilà où ils finissent tous. On n'a plus de bois et les cadavres affluent. Au moins, ça veut dire que les nettoyeurs font leur travail. Tu parles d'un nettoyage. La plupart de ces gens étaient même pas malades. L'attaque du quartier, c'est un massacre. Potentiellement, ils sont tous atteints. Pourquoi vous êtes si agressifs? Quoi ce bruit? Ce feu ne durera pas longtemps sans toi. C'est vrai. Quelqu'un se cache dans le coin! Quelqu'un m'attaque! Fouillez la zone! J'ai besoin d'aide! Il y a quelqu'un qui rôde dans le coin. Oui. Cherchez les intrus. Appelez si vous voyez quelque chose. Ça, ils peuvent pas s'échapper. Ratez-les. Bon sang. Là, on a des intrus. Là, capturez-les. Comment ils ont pu disparaître? Ils peuvent pas être loin! Trouvez-les! Hey! Tu te sens bien? Reste là, ça vous plaise ou non? Joseph, on retourne à la maison au plus vite. sont partis par là. Si seulement le comte reste hors de vue. On a de la compagnie! Attention! On y va! Mais... J'ai repéré des intrus! Trouvez-les! Ça... Ouais! J'y vais! C'est eux! Ce Joseph n'est pas un alchimiste. Il en a eu un autre. Incroyable! Ces corps. Il n'y a plus personne pour garder leur maison, pas vrai? Aucun signe. J'ai fait le tour. Cachez-vous donc! Je vous trouverai quand même! C'était... Merde! J'irai pas plus loin! Ailleurs. Ça doit être ces maudits intrus! Ils sont partis par là, je le sais. On doit se cacher. Deux secondes. C'est un coup de ces salopards! On l'a tué. Non, non, non! Il est mort! Maudite bestiole! Imbécile! Maintenant je sais où vous vous cachez! J'attends! Vous êtes maintenant. Oh, mince. lâcher là, hein? Oh non! Là! Ne les laissez pas s'enfuir! On est repérés! On est découvert. On se cache. Je vous aurai quand même. Je peux pas. Je ne mérite pas ça. Vous allez faire quoi, hein? Passer. Joseph, le tonton est forcément derrière cette porte. S'il y est déjà amarré, il a peut-être des problèmes. Il faut se dépêcher. Allez, faisons vite. Bien mieux. Il est là. Bordel, j'ai cru que vous ne viendriez jamais. Venez. Merci de nous avoir attendus. Et pour le coup de main. Vous aussi, vous m'avez aidé. Bon, où est le reste du groupe? En ville, ils préparent le voyage. Je dois... Hugo! Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vais les chercher. Retrouvez-nous au quai, près de la maison. Sois prudente. Qu'est-ce qui se passe? Vous pensez que c'était quoi? Je sais pas. Ça m'a réveillé. La maison! C'est mauvais signe, je vous le dis. Respectez le couvre-feu, rentrez chez vous! Que se passe-t-il? On doit savoir. Dites la vérité. Non. Fuyez vite! Non, non. Allez. attends. Là. La maison. Je peux y arriver. Cauchemar, je sais. Qu'est-ce qui se passe? Il faut partir, avant que toute la maison ne s'effondre. Oui, Lucas doit nous attendre sur le quai. Venez. Amicia, je devrais le porter. Je m'en charge. La ville, elle a disparu. Toute la ville. Nous devons partir. C'est sans précédent. C'est trop tard. Continuez. Qui c'est? Essaye de dormir, Hugo. Fais-le pour moi. Non. Ne regarde pas. Garde les yeux fermés. Amicia, qu'est-ce qui s'est passé? C'est... Les rats. Ils ont attaqué. Non. Non. On s'en va, Hugo. Pardonne-moi. C'est comme dans mon cauchemar. C'est ma faute. Calme-toi, Hugo. Non, c'est ma faute. Non, ce n'est qu'un rêve, d'accord? Je te donnerai quelque chose sur le bateau. Ça te calmera. Mais je veux que ça s'arrête pour de bon. Je suis désolée. Je veux que ça s'arrête, Amicia. Bientôt. À Marseille, nous trouverons de l'aide. C'est pas vrai! Tu dis toujours ça, mais tu mens! Tu mens! Hugo, s'il te plaît, calme-toi! Tu as le droit d'être triste et en colère, mais je ne t'abandonnerai pas. Tu le sais. On trouvera un moyen. Je te le promets. Vous allez bien? J'ai cru que vous étiez... On est tous sains et saufs, Lucas. Montez à bord, vite! Il n'y a que nous. Magistère Vaudin... Je vois. Dans ce cas, traînons pas.